Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs 2, chers amis. Donc, je ne sais plus du tout ce que nous faisions, où nous en étions, bref, tout ça. Update sec, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? La fin de Bloom, joie du malheur d'autrui, miroir, un peu de peinture, tiens, C'est parti. Ah bah ça tombe bien, il y a un vendeur de voiture juste à côté. On va pouvoir aller nous téléporter dessus et on va commencer cette histoire secondaire. Ensuite, je passerai sur de l'histoire principale à nouveau et on avancera petit à petit. Hop, bonjour. C'est pas par là. Mais c'est une moto intéressante que je vais allègrement voler. Voilà. Hop, j'ai plein de petites vibrations dans la manette, c'est très bizarre. Mais je me rappelle cet endroit. Ok. Elle avait décidé de continuer. Madame, calmez-vous, madame. Vous avez un coup de téléphone, calmez-vous. Madame, répondez au téléphone, s'il vous plaît. Madame. Oh putain. Comment suis-je censé monter là-haut? La dernière fois que je suis venu, il y avait un truc à déplacer. Mais dégage! Ouais, j'ai bien vu. Ah, contrôlé. Le voilà. Allons-y! C'est parti. Le meilleur véhicule du jeu. Hop. Ah, j'ai écrasé quelque chose apparemment. Non, je me suis pris des dégâts. Ah non? Allez, on se pousse. Voilà. Oh là là, c'est des débiles! Ok. Youp. Parce que oui, elle est déjà montée, puis après elle a renvoyé le machin à sa place. Je viens d'être pris en photo. T'es sûr? Hop. C'est bon. Démarrer la mission. On est parti. Hop. Je suis un artiste né. C'est-à-dire que j'arrive à faire des jolies crottes avec mon nez. Ici, et ça fait un moment, feignasse. Au moins, moi, je me suis pas gouré d'immeuble. Oh. Oh, putain. What? Merci pour le coup de main. What? En fait, cette vidéo n'a encore moins de sens maintenant qu'il y a le putain de truc que j'avais fait monter en haut, en fait. J'étais dans un groupe d'artistes de rue. J'y ai appris à voir la ville d'une autre manière, à l'appréhender différemment. Mais je suis pas restée longtemps. Ça les intéressait plus de vendre des t-shirts que de faire passer des messages. C'est pas de la peinture, ça. Tu crois que ça va le faire? Ouais. Le mec, il a des vis sous ses chaussures. Pas de problème. Mais pas mal, franchement. Ouais, je sais. Je te donnerai des coins sympas pour commencer. Vas-y, impressionne-moi. What? C'est tellement bizarre. Je voudrais juste, du coup, pour que ça ressemble à quelque chose. Cinématique, juste baisser un poil, voilà. Hop, alors j'espère qu'au niveau du son c'est bon. Normalement oui, maintenant. Donc en gros, elle a fait le tout petit truc et moi je dois faire le tout gros. Ajouter un graffiti, fait péter avec un balai. Mais oui, foutez de ma gueule. Ok, je te le dis. Mission accomplie. On se casse. Ouah, cette mission. Il faut aller jusqu'où? Il y a loin? Parce que s'il n'y a pas trop... Ah merde. Ah, il y a un peu loin. Parce que j'allais dire, s'il n'y a pas trop... S'il n'y a pas trop loin, ça peut être rigolo. Allez.
On a combien de kilomètres? 2 kilomètres. Il y a loin. Il y a carrément loin. Ce n'est pas grave. Oh, pardon. Excuse-toi, je fous le bordel dans le... Oula, pardon. Allez, quitte. Ça y est, c'est bon. Oui, il y a un problème. Excusez-moi, je crée un embouteillage, c'est vrai? Non. Non, je ne vous crois pas. C'est des mensonges que vous dites là. On va quand même se téléporter juste à côté parce que j'ai vu qu'il y avait ce petit point. Voilà. On va aller graffiti un petit peu la gueule des immeubles. Graffitiser? Je sais pas. Ça me fait un petit peu genre mettre du graphite. Ah là là, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec du graphite. Que je ne vous montrerai pas. Parce que ça peut être très dangereux. Scootix? Scootix! Qu'est-ce qu'il y a, Scootix? La femme peinte. Oh. Oh, ça me donne des idées, ça. Ce qui veut dire que niveau fringue... Bonjour, madame. Oh là 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 là, c'est violent. Attendez, alors, où est-ce que je vais... C'est ici, ok. Baltringue. Baltringue? Pourquoi baltringue? Là, ils me croiront forcément. Pause. Qu'est-ce que... Bien sûr. Connard. Bien sûr, ouais, ouais. Bonjour, madame. Voilà, merci, madame. Alors, moi, j'ai envie de voir un truc, c'est comment elle réagit. Si je pose mon truc... Que je change de vue. Oh, la gueule. Oh, mais non, mais les mecs... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Piratage à proximité, pourquoi? Pourquoi me ferais-je pirater? Je suis quelqu'un de bien, moi. Comment je monte sur le bâtiment? Pipilipili! Comment je monte sur le bâtiment? Il y a un truc blanc bizarre, là, en fait. Pas de soucis, c'est cool. C'est cool? Ok, merci. Oh. D'accord. Les escaliers... Oh, j'y ai presque cru, l'espace d'un instant. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Oh, c'est super ça, ouais. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce mec? Okay. Oh la gueule! Je sais pas, en fait, je sais rien. Oh la gueule des mecs qui se. Oh mais alors! Oh mais la gueule qui se tape, les mecs, quoi, c'est! Oh, je suis. Sur le cul! Et. Qui c'est qui me prend en photo? Mais. Pourquoi je suis constamment pris en photo? Vous allez vous calmer les mecs hein. Mais... Mais ça me saoule? Pourquoi je suis constamment pris en photo? Qui me prend en photo? Vous m'inquiétez les mecs là? Ok, c'est pas grave, je t'en veux, c'est pas grave. Ok. Ok, salut les filles. Hop, un petit graffiti, attention je vais sortir un balai droit de mon cul, voilà, c'est fait. Le balai, il est sorti, il est présent. Tout le monde a... Et c'est qu'un balai hein. Les mecs, c'est qu'un balai, hein! Et les mecs, calmez-vous, c'est qu'un balai! Oh là là, les mecs, ils voient un balai, c'est. À terre! Un balai! Putain! C'est la folie pour un balai. Dis-moi que t'as les couilles de le faire! Oh putain. Casse-toi, casse-toi. Oh, de la musique. Où est supposément censé être l'argent? Falloir que je remonte tout. Ah, des mails. Bon.
Ok, on va remonter. Je trouve que le jeu est bizarre en ce moment. Il y a un problème au niveau des lumières, je trouve. Tout semble en plastique, en fait, c'est bizarre. Je sais pas si j'avais fait cette remarque-là. Peut-être un filtre coloré qui est pas bon, je sais pas. Merde, 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 merde. Ok, c'est bon, j'ai réussi à passer. Maintenant... Oh là 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 là. Crac. Alors, où est le fric? Ici. Pousse-toi. Hop, 18 000, parfait. Crac. Alors, en termes de téléportation, où est-ce qu'on va aller? Pourquoi c'est bleu? Véhicule exclu... Véhicule exclusif? Qu'est-ce que ce bordel? Ça m'intéresse, moi, quand tu me parles comme ça, je... Véhicule unique. Ta mère. Unique, ta mère. Non? Non, je suis le seul à... Ok, c'est pas grave. C'est une porte. Là, là, soyons honnêtes. S'il n'y a pas de scoutix à prendre... T'es sérieux? Je prends en photo quand même. Oh là là, il y a des baisses de framerate dans le jeu. Là-dedans, il y a un véhicule exclusif. Wouh! What? Mais il est juste magique! C'est un camion de hippie. Attention. Électrique. Ça va, ça a pas l'air trop grave. Oh, oh, regarde où tu vas. T'inquiète, t'inquiète. Il est cool. Ok, où sont les autres trucs de peinture? J'en ai un là et un juste à côté. Bon bah malheureusement on va devoir déjà le quitter. Crac. Ok. Bon. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Pirater. Ah oui, c'est les missions secondaires. Des motos. Des motos, des motos. Je peux choisir la couleur. Celle-là. Ouais, merci, y'a pas de soucis. Je vous aime, moi aussi. Je sais pas, je crois qu'il voulait que je continue à faire quelque chose, non? Klaxonner? Oula! Il y a de drôles de bruit dans le jeu qui se déclenche en ce moment. Hein. Je veux pas dire, hein, mais... Mais c'est bizarre, hein. Ah bon? J'ai rien fait. Quoi? Encore un... Mais... Non, c'est ma voiture, non? Ou c'est un véhicule exclusif? Mais... Qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Oh, c'est parce qu'on est le 25 décembre! D'accord, c'est le véhicule de Noël. C'est bon, j'ai compris. D'accord. Eh ben, dis donc, en termes de conneries, on voit des records. Enfin, bon. Véhicule de Noël, non mais oh. Ça aurait pu au moins mettre un traîneau, quoi. Oula! Il y a un mec qui est vénère! Tu vas bientôt la fermer, ta grande gueule! Je sais pas si t'as un problème... Oh, le troll! Je sais pas si t'as un problème d'oreille ou autre chose, mais... C'est pas très poli ce que tu viens de dire. Oh, putain! Ah, voilà! Hop, maintenant, comme d'habitude, y a plus qu'à faire tout le tour. Ça, c'est la mission qui t'apprend à utiliser la verticalité du jeu. Oui, bah pourquoi pas, oui, c'est... Il s'excite vraiment quand il fait de la... Du parcours. Hein. Hop.
Ça m'excite le parcours. Le parcours, ça m'excite. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, c'est débile. Hop, allez, crac. Trouver le terminal pare-feu. Ah, faut que j'envoie le... Le copter. Hop. Non? Ah non. Ah d'accord, oui, non, faut... Ah, ok. Non. Je viens de comprendre. Il m'aura fallu du temps, mais je viens de comprendre. Il y a même des missions dans la mission, en fait. C'est cool. Hop, allez, vas-y. Ok, c'est bon. Parce qu'en fait, vous voyez, je pourrais avoir par exemple une pince coupante pour péter le truc et passer. Mais non, vaut mieux que je me fasse chier à hacker le truc et... C'est le problème des... Ça, c'est ce qu'on appelle la vision tunnel, chers amis. C'est... Ah bah non, mais c'est un hacker, faut pas qu'il ait d'outils. Faut qu'il ait que son téléphone. Et pourtant, Wrench a tout le temps un truc sur lui. Enfin, Wrench, je crois qu'il l'appelle Wrench dans le... Dans la VF. Ok, c'est joli. C'est violet. Pourquoi pas. Et donc normalement d'ici je peux voir l'autre. Oh oui. Oh, il y a tellement une capacité à faire une connerie là. Tayo, non, peut-être pas par là. Non, là il y a mort assuré. Là aussi. Ouh. Et je parlais pas de là où tu... Oui. Alors ça s'appelle du barbelé. C'est assez... Non, tu vas descendre. Putain, mais si je te dis de descendre. Tu vas descendre, merci. Hop. Tu montes sur la moto. Et tu dis à lui d'accélérer. Bizarre. Non, c'est tout à fait normal. Bonjour. Qu'est-ce que c'est par là? Oh, de l'eau. Oh merde. Oh bah si j'avais su, eh ben je serais pas venu. Là, t'as un coup de téléphone. Ah. Mais si. Oui. Oui, le plongeon tête la première dans le vide. Madame. Madame. Merci pour votre argent. Oh, Samsung Galaxy Note 7. Ok. On y est presque. Jolie voiture. Très très mal garée, mais jolie voiture. Ce qui est assez inquiétant, d'à vrai dire. Mais en fait, c'est pas bon de s'isoler comme ça. C'est quoi, ok, il y a clairement un moyen de monter. D'accord. Il y a quelqu'un là-haut. Allié des Dead Sect, t'es du bol. T'es un copain. Pas pour longtemps. Pleure pas, Simone. C'est moi qui conduis, c'est toi qui le klaxonne. Mais je m'énerve pas. Oh. Je vois ce que tu as fait. Je comprends le beans. Je cautionne la chose. Le problème c'est que t'aurais peut-être pu me laisser de quoi faire. Oh, je vais essayer de le sniper de très très loin. Ah, il s'en va en voiture. Il s'en va en voiture. Quel dommage. Moi, je m'en verrais tellement... Je m'en irais tellement à pied. Ok. Ah non, je croyais qu'il m'avait fucked up. Je croyais qu'il m'avait fucked up, mais non. Genre qu'il avait mis le machin là exprès pour que je monte, et en fait... Piège. Fallait pas monter ici. Hop. C'est parti. Oula.
La physique dit non à cette corde. Ou la corde dit non à la physique, ça dépend, hein, c'est vous qui voyez. Non, t'assis pas, Marcus. T'as pas de raison de t'asseoir. Par contre, si le tag il est déjà fait, je l'ai bien dans le cul. Lulu. Non, il est pas fait. Cool. Salut. Non. Voilà, merci. Alors, vas-y. Le balai était déjà présent. Et d'ailleurs, il y en a un deuxième qui arrivait par terre. Ah non, d'accord, en fait, non, le balai qui était présent, c'est le balai de l'autre qui jetait par terre à la fin. C'est ça. C'est exactement ça. Faire une deuxième série de graffiti, mais c'est nul comme mission. C'est complètement nul comme mission. Sauf si on peut sortir avec Sintara après. Sintara ou Sintara? Je sais plus. Sintara peut-être. Allons-y. Hey, salut. On a bonjour. Oh. Ah, excuse-moi l'ami, je suis pressé, j'ai de la peinture à faire. Madame, vous avez un coup de téléphone? Oh, c'est des choses qui arrivent. Ça s'appelle l'auto-allumage. C'est un vrai problème chez nous. Ok. Toi, tu as de l'argent sur le toit. Toi, toi, mon toit, je dirais même. Hop. Oh, t'as mangé tout le gâteau. Mais qu'il est con. Oh. 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 Vache. Parce que le personnage pourrait tendre le bras et aller le chercher. Mais non. Mais non. Tendre le bras, mais t'es fou, je suis un cœur. Je fais pas ce genre de choses. Tendre le bras, mais. T'as vraiment cru. Hein. Non. Non. Je suis Dieu. Oh non, plutôt j'ai la force avec moi. La force est puissante dans ta famille. Qui apprend le latin pour rigoler? Et qui pense qu'il faut une journée pour apprendre le latin? En mode random. Oui, translate Marcus, translate. Il se met à pleuvoir, c'est chiant. Des pigeons! Pigeons! Ah, voilà. Tire aux pigeons. T'es sérieux là? T'as vraiment l'intention de me faire ce coup là? Oh, d'accord. D'accord, d'accord. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hop, voilà. Ensuite, voilà, on se tourne. Crac. Et là, on se retourne. Hop. Ça ouvre la porte. On est dedans. C'est par où? Jack, c'est par où? C'est par là. Ok. Ok. Hello. Voilà, je te déverrouille. C'est parce qu'il pleut, je la déverrouille. Bref, je la referai pas non plus cette blague. Désolé. Hop. Par contre, si tu me fais le coup de je saute pas assez loin, on va pas être copine. Je l'ai mis exprès un peu plus bas pour qu'il puisse, vous savez.
Ah mais je suis con. Je vais pouvoir l'approcher un poil. Allez Marcus, tu peux le faire. Parfait. C'est quoi pour reprendre? Y. Ok, contrôle. Hop, wouhou. Et on y retourne. Et je me balade un petit peu parce que c'est fun. Et extrêmement dangereux. Allez hop, on y va. Oui, il faut admettre que c'est extrêmement dangereux ce genre de choses. Et c'est en contrebas. D'accord. J'en doutais qu'il voudrait pas. Ça y est. Oh le malade. Ouais bah vas-y, faut que tu te la pètes parce que là franchement déjà que tu me chies des balais, alors en plus si tu me fais des actions débiles à des endroits où il faut mieux éviter d'être tranquille. Honnêtement. Mettez-vous à couvert. À couvert. Oh merde, il pleut. Mettez-vous à couvert. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel exactement? Pourquoi mettez-vous à couvert? Tu vois, moi je pourrais par exemple et personne n'y verra rien. On a besoin d'une ambulance. Et vite. Tout le monde n'y verrait que du feu. Oh mais merde. Ouh. Ce n'est pas moi. Quel dommage, je les ai loupés. Boum! Voilà! Problème résolu! Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des... Enfin, je veux bien admettre que j'ai foutu le bordel, mais à ce point-là, non. Pas encore. Ok, on va prendre la noodle. Hop! Téléportation dans la noodle. Où sont les autres trucs? Oh putain, il y en a un là. Ok, on y va! Moi, chers amis, j'y vais et je vous laisse pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Cliquez sur la petite, simplement belle. Donc, pour moi, une belle, c'est une cloche. Pour simplement savoir quand je mets en ligne mes vidéos et donc pouvoir les voir et les copresto. Quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop! What? C'est un épisode où j'ai pas toussé du tout. Cool. Je suis presque plus malade alors. Génial. À plus !